Chacun d'ailleurs à l'origine gratte de son coin. Comment ça se passe au début l'histoire de N77? L'histoire de N77, c'est simple en fait. C'est qu'il y a des rappeurs dans la ville qui rappent, plusieurs groupes. Après, il y a plusieurs rappeurs qui ont décidé d'arrêter. Ça veut dire en gros, les derniers certains groupes ont décidé de se faire un dernier groupe, un groupe solide. Le groupe et avec des nouveaux rappeurs et tout, des nouveaux rappeurs. Des jeunes rappeurs. Moi et Kunta, jeunes rappeurs. Ils avaient leur groupe, leur groupe de base. Et au final, on a fait un truc en famille ensemble. En vrai. Et ça s'est passé. Après, les managers, il y a une longue histoire. Une longue histoire. Et au final, on est ensemble depuis. Mais c'est vrai que l'histoire ressemble aussi parfois à d'autres groupes de rap. Je pense à la section d'assaut qui était qui était différent et qui sont à un moment réunis. Parce que c'est vraiment ça en vrai. C'est comme ça que ça marche en vrai. C'est-à-dire quoi? Il y a plein de gens qui rappent au début. Il y en a qui abandonnent parce que la vie fait qu'à un moment tu peux pas tout le temps rapper. Tu passes après, à autre chose. La passion, c'est ça. C'est ça, quand t'as la dalle, t'as la dalle jusqu'au bout. Tu continues à gratter de ton côté, même si tu sais que ça prend du temps. Et vous y. Dès le début, quand même, vous y croyez tous, quand même, en vous disant, c'est sûr, en vrai, c'est même pas on y croyait tous. C'était un maxi délire de ouf qu'on a bien kiffé. Après, on a vu qu'on n'était pas mauvais. Parce que si on est là, on n'est pas mauvais. On a vu qu'on n'était pas mauvais. Donc, on s'est dit, on peut faire quelque chose sérieux, de concret. De concret. Après, on s'est mis au sérieux dans le truc. En vrai, on était plus ou moins un peu confiant, quand même. On va découvrir cette confiance ce soir entre 20h et 21h. Il y aura du live avec vous. Planète Rap.